Alouette, toujours plus d'invités. Il est de retour avec Meilleure Vie, son deuxième album. Bonjour Jérémy Frérot. Bonjour. On est ravis de t'accueillir. Bah moi aussi, je suis ravi d'être là. Cette période où le monde s'est arrêté, t'a vraiment inspiré, hein, visiblement. J'étais obligé d'aller chez moi et puis en fait, bah, ça m'a vachement inspiré, ça m'a fait du bien d'être proche d'eux. Et puis en fait, tous les matins, j'avais cet échappatoire du Zoom avec les gars avec qui j'écrivais les chansons. Ben Mazuet, Laurent Lamarca, ouais. Et du coup, bah, ça faisait cet échappatoire le matin et l'après-midi, bah, je peaufinais tout ce qu'on faisait et voilà, tout ça pendant un mois, deux mois et ça a donné des chansons plutôt bien abouties en fait. Regarde comme je suis, un cœur et deux poings. Je vis, je veux, j'oublie, comme toi, ni plus ni moins. Meilleure imitation de Jérémy Frérot. En direct de la radio d'Alouette, c'est incroyable. Il va tenter le triple axel et se rétamer dans la baie vitrée d'Alouette. Moi, je change tant de jeu. Lancé, je m'avance, trouve de la place, me crée d'autres espaces. Je voulais savoir s'il y avait une tournée de prévue. Ah. Ça revient très souvent. Ouais, j'imagine bien, mais moi aussi, hein, ça revient très souvent dans ma tête. Hein. Oui, évidemment qu'il va y avoir une tournée. Je fais ce métier pour jouer de la musique en live devant les gens. Je fais des albums pour annoncer qu'il y aura une nouvelle tournée, un nouveau spectacle. Donc j'attends ça avec impatience. Ça va bientôt être annoncé, ouais. Un homme au pire, au mieux, perdu. Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Un homme, c'est quoi? Un homme pour toi? À un moment donné, il va falloir arrêter de dire que je suis jeune, hein, parce que je commence à passer de l'autre côté de la force, tu sais, ouais. Côté obscur. 31 ans, ouais. Mais il est nul, hein, ce gardien. J'aurais changé ce gardien. Alouette. Première radio régionale de France.